changement stratégique au sein de sa team, puisque cette fois-ci c'est Robert X qui va rentrer en jeu. Robert X, je vous le rappelle, la version King of Fighters 2002 du personnage Robert, et qui se joue de manière totalement différente du Robert. Oh là là! Et en plus de ça, il nous ramène son Clark. Donc, le Clark qui raccourcit les distances, la légende est née, c'est le fameux Clark qui absorbe et qui passe en premier face au Kadash. Donc voilà. Donc Diamond et Aiden sont en repos. On verra s'ils feront mieux, sur cette finale. C'est parti. C'est très difficile pour Clark Kadash, puisque Kadash a exactement tous les arguments pour donner la chance. Oh là 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 là, il n'a pas le temps à perdre. Perdre, shot une frame. Il crossover mais qui met ça grave car il a été fait un peu tard. Pas gros pied counter sur la chose que ça a raté du général. Oh là là, phase de pressing. Il essaie de retarder la pression. Le Clark essaie de choper un peu comme il peut. Et il se fait mener par le cadrage du général. Il sait parfaitement comment jouer les astuces. Il ne prend aucun risque, mais il laisse aussi tentative de chop. Oh là là, un petit Clark espagnol. Oh, sur A anti Dragon. Oh, roulade Fury, complètement triodale, j'ai envie de dire. J'ai envie de m'auto-dédicacer ce qu'il a fait. Donc voilà, Kadash qui prend l'avantage sur le Clark. Oh là là, un petit Shippuken chargé, Huge Extreme. Je vous rappelle que le personnage se joue à charge, à l'instar d'un guy dans Street Fighter. C'est une version complètement, une façon complètement originale de jouer ce personnage-là. Et qui est de retour ici dans cette version comme 2002. Oh là là, mauvaise punition de la part du Robert. Kadash qui rattrape pas, donc on a eu 3 ratages de suite, mesdames et messieurs, sur cette finale. Oh là là, relevé imbloquable, counter faudé. Donc Robert qui élimine le Kadash après un match un peu chaotique, j'ai envie de dire. C'est au tour de Yuri qui va combattre son fiancé Robert. Oh là là, slash anti-boule. Yuri raté de la part de Yuri. Oh là là, qui ne perd pas de temps et qui enchaîne avec un super cancel. Bon, les dégâts ont été légèrement abaissés dans cette version UF. Mais ils sont toujours là, j'ai envie de dire. Donc, domination de la Yuri qui ne pas laisser son mot à dire. Et l'ex-Robert de comme ça. Donc c'est le retour de la King. La King aux phases désespérées. Oh là là, un petit corps de type de départ. Un gros point qui est directement pris. Oh là 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 là. Le général n'a pas de temps. Il va enfoncer toutes ses furies dans le tas. Dragon qui sauve XD de Tom Sawyer. Il essaie de donner avec les boules. Mais le général a aussi largement skippé comme des boules en l'air. Oh là là, combo sur les babés avec le Dragon, casse-garde. Pour l'instant, la Yuri est largement installée pour le dernier match. Super anti-saut, c'était magnifique. Je vous demande d'applaudir le général à nouveau, qui nous a offert un match de très très haut niveau. Il ne surpeut pas sa réputation, absolument pas.